Vladimir Poutine est un grand joueur et joue une partie de poker menteur comme il en a tout à fait le talent et la spécialité. Faut pas exclure non plus que Emmanuel Macron soit de cette catégorie-là. Emmanuel Macron est un homme qui joue aussi en politique. Et il peut aussi avancer des pions comme celui qu'il a avancé cette nuit, qui soit tout à fait mesuré et calculé, justement pour mettre dans ses derniers retranchements le président russe. C'est fort probable. Et le président russe a, de toute manière, pas changé d'avis dans la journée. Il savait très précisément où il allait depuis le début et où il va depuis le début. Et c'est une facilité pour lui de jouer avec ces républiques autonomes complètement russophones et qui sont complètement acquises, parce qu'il n'y a pas eu un mort hein, jusqu'à présent. Du côté Il y a eu 14 000 morts depuis 2000. Non, non, du côté russophone, dans ces deux républiques autonomes ces derniers temps, je veux dire, elles sont complètement acquises à Moscou. Hein. Donc pour lui, c'est assez facile de jouer avec ces républiques. Pour le moment, on en est là. Il n'y a pas une marche vers Kiev. Il n'y a pas une annexion de l'Ukraine. On n'en est pas là du tout. Donc là, c'est une partie de bras de fer. Moi, celui qui m'inquiète le plus dans cette histoire, ce n'est pas du tout Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il a la mesure de la chose. C'est plutôt Joe Biden, qui me paraît assez éloigné d'une réalité qui est plus compliquée que ce qu'il veut bien dire. Enfin, bon, raisonner en bobo urbanisé du 8e Parler arrondissement, en de disant, je ne parle pas de vous, mais qui? de nous, je vous mets tous dedans, là, je vous mets tous, du 8e arrondissement de Paris, ça vous va le 8e arrondissement? Et Je n'ai pas le 8e, dire moi. finalement, on est entre gens bien. Et voilà. La réalité, c'est que au Donbass, notamment, il y a des grands excités, les russophones dont vous parlez sont des grands excités. On peut imaginer des débordements assez rapides. Ils sont armés, ils sont équipés. Et ben, oui. On parle de quoi? On parle du risque d'une guerre. Il y en a eu Alors, 8 ils peuvent demander à Vladimir Poutine de venir justement pour les protéger. Voilà. Ça ils peuvent donnera un demander. prétexte, Oui. à l'armée russe pour entrer dans le Donbass. Toutes les invasions se passent comme ça. Plus, je vais vous une dire, minorité justement. Nous a demandé. Il y a une stratégie qu'il faut pas, une tactique plutôt qu'il faut pas oublier de présenter, c'est que Vladimir Poutine fait cela avec l'espoir que les premiers à tirer, justement, ça soit les Ukrainiens, et que la faute soit du côté ukrainien. Bon. Alors, ça paraît assez évident. Pascal Boniface, Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS, merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous interprétez cette décision de Vladimir Poutine? Est-ce que pour vous, c'est une déclaration de guerre? Non, puisqu'il n'a pas envoyé les soldats. C'est une provocation, c'est effectivement un geste de défiance. Il met fin aux accords de Minsk qui n'ont jamais été réellement appliqués, mais c'est effectivement un geste très agressif à l'égard de l'Ukraine et des Occidentaux, puisqu'il rompt un peu le dialogue. Mais ce n'est pas une déclaration de guerre dans la mesure où il n'envoie pas des tanks russes en Ukraine. Mais effectivement, c'est une montée des tensions. Alors, de deux choses l'une, soit c'est la préparation de la guerre, parce qu'on va dire pour protéger ces républiques que je reconnais qui sont menacées par Kiev, je dois envoyer des troupes, ou alors il empoche ce bénéfice et cela lui évite de faire la guerre parce qu'il ne pouvait pas avoir terminé cet épisode sans avoir empoché quelque chose avant la fin. Donc, il se peut que ce soit, et c'est ce qu'on a mis en bandeau, une première étape avant la guerre, ou ça vous semble prématuré pour l'instant comme analyse? Bah, pour l'instant, depuis longtemps, on parle des premières étapes avant la guerre. On l'annonce depuis près de 2 mois. Alors peut-être qu'elle peut survenir un jour, mais elle n'est pas irrémédiable. Et ce n'est pas cette provocation juridique de la part de Poutine qui conduit à la guerre. On peut au contraire penser qu'une fois encore, il doit empocher quelque chose. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien gagné. Et là, il peut dire par rapport aux Russes, regardez ce que j'ai acquis. Et donc, on peut effectivement ne pas se lancer à la conquête. Conquête qui, par ailleurs, serait coûteuse humainement pour Poutine en termes de vie humaine. Et je ne suis pas certain que les Russes soient prêts à perdre des centaines d'hommes pour conquérir une partie de l'Ukraine, ou encore moins l'ensemble de l'Ukraine, qui d'ailleurs est quand même très difficile à conquérir et surtout à conserver. On sait quand même, depuis quelque temps, que gagner une guerre est facile, mais conquérir et conserver un pays sous occupation militaire est beaucoup plus compliqué. Et c'est la même chose pour Poutine que pour les autres. Et donc là, il y a effectivement une aggravation de la crise parce qu'il va beaucoup plus loin qu'il n'a jamais été
par rapport à l'Ukraine. Il met fin aux accords de Minsk, mais qui en même temps n'ont jamais été vraiment mis en œuvre. En réalité, c'était un cessez-le-feu, mais ils n'ont jamais été mis en œuvre ni par les Russes ni par les Ukrainiens. Et donc, c'est une nouvelle étape, mais ce n'est pas forcément la guerre. Une dernière question, Pascal Boniface. Qu'est-ce qui a, selon vous, accéléré justement ces tensions? Pourquoi soudainement ça prend cette ampleur? Parce qu'il n'a pas eu les réponses. Il a posé plusieurs conditions, qu'il n'a pas eu de réponse, qu'il estime que c'est le moment ou jamais d'empocher un avantage, et qu'il n'a pas eu les réponses à ses demandes, et qu'il est confronté à une situation où il se dit « je ne peux pas battre en retraite ». Une garantie donc que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, qu'on comprenne bien. Oui, alors c'est non seulement que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, mais en réalité… très peu de pays de l'OTAN veulent que l'Ukraine intègre l'OTAN rapidement. Donc là, il tire un trait sur des bonnes relations avec les Occidentaux, parce que bien sûr, il y aura un front uni de l'OTAN, bien sûr, il y aura des sanctions, bien sûr, il y aura un réarmement des pays européens de l'OTAN, bien sûr, il est tout à fait possible qu'en réaction, la Suède et la Finlande adhèrent à l'OTAN, mais l'Ukraine, c'est une autre question, Lutten. L'Ukraine ne va pas adhérer à l'OTAN parce que les pays européens et même les États-Unis ne veulent pas se lancer dans cette escalade. Mais là, Poutine a choisi l'escalade, mais c'est encore une escalade contrôlée dans la mesure où, pour le moment, l'irrémédiable, qui serait la guerre réelle, n'est pas déclenchée. Bien, merci, merci beaucoup, Pascal Boniface. Belle soirée à vous. Laurent Alexandre, on ne vous a pas encore passé le micro. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'a dit ce soir Poutine pendant une heure. Je vous donne deux, trois exemples. L'Ukraine était en train de se préparer à une guerre contre la Russie, Poutine dans le texte. L'Ukraine est un régime fantoche, c'est une colonie américaine, Poutine dans le texte. La situation dans le Donbass est aujourd'hui à un point très critique, Poutine. Les États-Unis et l'OTAN ont transformé l'Ukraine en théâtre de guerre. Enfin, c'était quand même un langage guerrier. Moi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ça me paraît constituer une escalade. Alors d'abord, il faut voir que depuis 5 ans, le discours nationaliste et guerrier de Poutine ne cesse de monter en puissance. Les historiens spécialistes de l'Union soviétique et du Goulag vont en prison. L'association des historiens qui font de la recherche sur la période noire du soviétisme et sur le goulag, Mémorial a été dissoute. Incroyable. Dissoute. Incroyable. Et le procureur du tribunal constitutionnel russe a dit que cette association, en critiquant le glorieux passé soviétique, faisait du mal à la mère patrie russe. Donc on est rentré dans une période, dans une bouffée nationaliste très forte où Poutine, qui a toujours dit que l'effondrement de l'URSS était l'événement géopolitique le plus grave du XXe siècle, essaie en fait de reconstituer un empire, et avec un discours belliqueux et de plus en plus nationaliste. Aujourd'hui, un historien en Russie qui fait un article sur les crimes staliniens, sur les crimes du goulag, il va en tôle. Aujourd'hui, en 2022, c'est ça la réalité du régime hyper-nationaliste russe, qui en fait a reproduit un régime quasiment soviétique, même s'il est un petit peu plus libéral qu'était le régime stalinien. Donc nous sommes dans une phase d'ascension du discours nationaliste depuis 5 ans, avec un Poutine qui considère que Staline, l'Union soviétique, ça fait partie de l'histoire de la Grande Russie. Il assume tout. De Pierre le Grand à la Grande Catherine, à Staline, jusqu'à lui. Pour lui, il y a un grand continuum. Mmh. Donc ce discours très belliqueux, très nationaliste, il explique en réalité pourquoi il mène la stratégie qu'il mène. Alors, en réalité, il veut augmenter la taille de la Russie, il veut récupérer, comme il a récupéré la Crimée, les territoires russophones de l'Ukraine. Il a une stratégie qui est géniale. Il a fait tourner en bourrique Macron en lui faisant croire qu'il allait avoir un meeting avec Biden. Il s'est foutu de la gueule de Macron. Il a un petit peu ridiculisé Macron. Et donc, aujourd'hui, il poursuit sa stratégie qui est de piquer le maximum de territoires russophones
sans avoir des temps, sans avoir des sanctions trop graves et sans et aller jusqu'à la guerre. Mmh. Pour l'instant, ça marche. Personne n'essaie de récupérer la Crimée, qui est aujourd'hui définitivement russe. Quant au territoire dont il a déclaré l'indépendance aujourd'hui, il va les absorber tout gentiment en attendant la prochaine étape, parce que son objectif reste de façon évidente de faire un pont entre la Crimée et la Russie en passant par le Donbass. Et on va continuer à analyser beaucoup de réactions. Tout ce qui se passe. On va vous passer le micro. Patrick Martin, je n'ai pas tout à fait d'accord visiblement avec l'analyse et on vous entendra dans un instant. On sera aussi devant l'Élysée, Conseil de défense qui s'est terminé il y a quelques minutes. L'Élysée réagit. Macron demande notamment des sanctions européennes ciblées. On sera avec notre journaliste sur place, Bastien Auger. On se retrouve dans quelques minutes, Eric. Oui, pour 90 minutes. Sans interruption. Oui, oui, 90 minutes sans interruption. Vous pouvez lever les yeux, vous êtes avec nous pour 90 minutes. Vous pouvez téléphoner à la maison, vous prévenez tout le monde, on est ensemble pour 90 minutes sans pub.